Ok, salut les guerriers. Bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On sait pas de quoi on va parler. Oh non, il m'a rien dit, on sait même pas. Mais bon, là, c'est la vérité. Ils vont se dire sur FF, on n'est pas organisé, c'est pas du travail sérieux. Ça dépend des fois. Non, mais moi, j'en ai marre des commentaires travail d'arabe, arabe retourne dans ton pays. Tu vois, toujours me prendre comme ça, on va ouvrir des chambres à gaz. Ouais, j'étais un fou furieux, toi. Je reçois des menaces comme ça. Donc, les gars, on fait comme on peut, d'accord. On va encore parler des problèmes de gros muscles. Ça a commencé fort déjà dès le début de la vidéo. Donc, en lien avec la dernière vidéo fort où on parlait des maladies des gros muscles, la dysmorphophobie. Voilà. Voilà. Vous avez essayé de le chercher, on est immigré, okay. On a donc, le droit. Si vous l'avez pas vu, les gars, n'hésitez pas. On voulait vous remercier de l'engagement parce qu'elle a fait pas mal de vues. Ça fait plaisir. Parce qu'en ce moment, on publie en balle, les gars. Et nos vues, elles sont baissées. Je ne comprends pas. Après, c'est période hivernale. C'est normal aussi, je pense. Après, c'est notre stratégie. Là, on vise sur la quantité. On essaie quand même de faire un peu de qualité. Et à partir de janvier, on passera une vidéo par semaine et on fera vraiment de la qualité. Donc, une autre maladie, vu que ça leur plaît, tout ce qui est maladie de la musculation, qui mousse, comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'on va parler, de quoi on va t'en parler, par de ce qu'on avait prévu là. C'est bon? Ouais, facile, je finis. On va parler des TCA. Je voulais t'emmerder un peu, mais c'est bon. Et de la sèche, je prendrai un peu plus vague. Parce que les TCA, il y en a beaucoup qui en ont parlé récemment. Ouais, parce qu'on voulait faire cette vidéo il y a longtemps, mais on a vu que Tarzan il a sorti cette vidéo. Ouais. On va pas refaire le même sujet. Mais ça fait ça deux semaines que je lui ai envoyé le message avant que la vidéo elle sorte. Mais après, c'est quand même. Et on a pris le temps et c'est tout. Mais c'est quand même intéressant que eux ont notre. Notre ressenti à nous. Même comme ça, ils se disent, ouais, putain, ils sont déjà 3-4 à le dire en fait. Ouais, c'est que c'est tout le monde, tu vois. Ouais, c'est réel, les gars. C'est pas une seule personne, tu vois. Ouais, et ça touche tout le monde, ça peut vous toucher, donc on va en parler. Déjà, ça veut dire quoi? TCA. Trouble du comportement alimentaire. Ah ouais? Ouais. J'ai regardé une vidéo d'Ame Tarzan, qui disait que c'était trop du QAnon là. Mais va te faire enculer. Mais je te promets, j'ai regardé, il m'a dit. Va te faire enculer. Il m'a dit TCA, trou du QAnon. Va te faire enculer, c'est vrai. Et en gros, c'est en fait, à force de faire la musculation, t'es attiré par les hommes, vu que tu penses pas d'art tous. Et à un moment donné, bah, ton du QAnon, bah, bah, c'est les TCA, c'est ça, il me croit pas. J'ai fait YouTube, ça fait 15 ans que je fais du YouTube. J'arrête les gars, on a fait. Il casse les couilles. La troisième vidéo de la journée. Non, TCA. Je sens que son cerveau il est parti, ouais. Il est fatigué. Non, mais non, faisons le coach, vas-y. Oh putain de merde. Vas-y, rentre en moi. Vas-y, c'est bizarre. Suivi de ce que t'as dit avant, ouais, c'est très bizarre, mais vas-y, y a pas de problème. Trouble du comportement alimentaire. Donc c'est quand tu vas faire des choses que t'es pas censé faire d'une personne qui se nourrit sainement en fait. Genre si tu t'envoies 1,5 kg de bonbons en une fois, c'est un trouble du comportement alimentaire parce que personne ne fait ça, tu vois. Ouais, en fait, t'as une mauvaise relation avec la nourriture. C'est ça. T'as pas une relation saine comme les gens lambda qui font pas de musculation ont. Eux, ils vont manger pour se substanter, ouais, pour se nourrir. Nous, on va manger pour se faire du mal. On en parle depuis longtemps, Pimous et moi. Quand on fait un cheat meal, la sensation qu'on aime dans ce cheat meal, c'est d'avoir mal au ventre, ouais, après avoir mangé. Et c'est pas normal, c'est vraiment ça, c'est vraiment se faire du mal. Si j'ai pas mal, c'est qu'il y a de la place. Et tant qu'il y a de la place, faut que ça soit rempli, faut pas déconner. Et ça, c'est dû au fait que toute la semaine, on se prive, on mange des aliments sains et tout. Après, on se fait plaisir, hein. Nous, on kiffe notre jet et tout. Mais comme on sait qu'on a le droit à un jour où on se fait plaisir, je sais que demain, j'aurai plus le droit. Donc c'est maintenant que jamais, faut que tout qui rentre. Et sur du court terme, normalement, ça marche ce genre de stratégie, tu vois. Sur 2-3 mois, tu prépares, tu sais que tu as un cheat meal semaine, un tous les deux semaines, tu peux tenir sur le court terme, mais sur le long terme, c'est impossible de tenir comme ça. C'est impossible parce que tu t'accumules la frustration. Et au bout d'un moment, t'en peux plus, tu pètes un boulon. N'hésitez pas à avoir des petits aliments plaisir, ouais, dans votre semaine pour justement pas développer ces TCA. Après, faut être capable de pas abuser. Moi, je sais que ça m'arrive, je vais taper 3-4 schtroumpfs avant d'aller m'entraîner, tu vois, un bonbon. Et du coup, le week-end, quand ça arrive, le sucre, il me donne pas très envie, alors que d'habitude, j'ai très envie, tu vois. C'est propre à notre sport. Le fait qu'on calcule tout, qu'on est vraiment obsédé par la nourriture, ouais, même si on se met des petits plaisirs et tout, à un moment donné, notre cerveau, il vrille, on pète un câble. Pour moi, tous ceux qui font de la musculation, passer un certain temps, au bout de 5 ans de muscu, vous aurez des TCA. Donc, faut juste en être conscient et de limiter ça. Ça m'arrive surtout quand bah, je prépare quelque chose. Là, on a eu les photos. Quand vraiment on veut préparer notre physique pour un événement précis. C'est là où c'est le pire. C'est le pire. C'est le après où on fait n'importe quoi. Mais j'en suis conscient. Mon but, c'est surtout que ça dure pas trop longtemps. Ouais. Donc là, on a préparé les photos. Est-ce que tu as eu des troubles du comportement alimentaire? Pendant, comme j'avais l'objectif en tête, j'avais une date, ça allait. J'arrivais à rester focus. Pour mais moi, c'est pareil. Une fois que c'est passé, c'est fini. Il n'y a plus d'objectif, c'est nique sa mère. Et le plus dur, c'est de dire stop en fait. Il n'y a pas de ralentir. Là, on a eu les photos, on a fait les photos, plus de nouvelles au bout, pendant une semaine après. On a pris des petites vacances. On s'est revus et on avait compris que chacun, on avait fait de la merde. Physiquement, ça se voyait. Et quand on s'est parlé, on a compris. Il est parti au fast-food, tu es parti au fast-food, mais c'était pas un fast-food, c'était tous les jours. Ah ouais, tous les jours. Et le plus dur, en fait, c'est de s'arrêter parce que comme on mangeait des aliments pas sucrés, pas gras, ouais, et que du jour au lendemain, bah, on mange du McDo, du Quick. Ton corps, il stocke. Ouais, déjà, ton corps, il stocke parce que t'es en déficit calorique juste avant. Donc, hop, ton physique, il change très vite. Mais surtout, tu t'habitues à ce goût et c'est dur derrière de remanger ça. Bah ouais, ça fait du bien. Ah, tu passes du riz sans goût, sa mère, un béca. Oh là là. Donc, le plus dur, c'est de dire stop, en fait, parce que t'as mangé McDo, t'as pas envie le lendemain de remanger du riz blanc. Ah non.
Ah non. C'est ça le problème aussi de ça, c'est qu'une fois que t'as plus d'objectif et que t'as commencé à fauter, tu te dis maintenant que j'ai commencé à faire de la merde, bon, on verra plus tard. Non, le lendemain tu refais de la merde. Après tu te dis, bah même aujourd'hui j'ai fait de la merde, ah, nique sa mère, vas-y. Et demain tu refais de la merde. Ça. Et après, on se sent aussi perdu, vu que notre objectif il a atteint, il est fini. Ouais. Bon, on se dit, ben. Vas-y, bah, j'ai plus rien à faire en fait, j'ai plus d'objectif. Le tout, c'est de savoir ce qui va se passer. Nous, on a l'habitude maintenant, on sait que pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, ça dépend quand vous vous arrêtez, bah, ça va être des TCA. Et le but, bah, c'est de vite arrêter. Possible. Une fois que vous êtes assez reposé, que vous avez délaissé un peu plus la diète et tout, que vous êtes un peu plus libre dans votre tête, vous refixez deux objectifs. D'accord. Donc, nous, là, on a la chance, c'est de voir Body Time fin décembre, ouais. Donc ça termine un objectif. Mais une fois que ça s'est passé, ça va partir en couille. Je sais. Ça va partir en couille. Mais du coup, on est prévenu, on sait que ça va arriver, et on fera le nécessaire pour pas que ça dure trop longtemps. Je pense 3-4 jours, je vais partir en couille. Comme j'ai fait là, après les photos, je suis parti en couille 3-4 jours et je me suis repris, tu vois. Mais pendant 3-4 jours, je me suis pas entraîné. Je suis pas sorti de chez moi. J'ai mangé de la merde. Pas sur un repas, hein. Ouais, toi, du matin au soir. Pimousse, il fait moins longtemps. Moi, ça a dû durer 10 jours, mais je le fais une fois dans la journée. Mais je pète le bide. Et lui, c'est sur 4 jours, mais toute la journée. Je m'encule du matin au soir. Voilà. Je me réveille le matin, des biscuits, du Nutella, des céréales, à midi, des pizzas. Au soir, un kebab, et nique sa mère. Moi, non, le truc, c'est en fait, ça me saoule de tout le temps manger en muscu. Donc, dès que j'ai plus d'objectif, dès que j'ai atteint mon objectif. Il veut plus manger, lui. Bah, je vais pas manger, genre, jusqu'à 14h. Je vais manger un petit truc à 14h, parce que je sais qu'au soir, je vais faire une dinguerie. Il est fou. Et ben je vous le montre à l'écran, les gars. Ça, c'est toutes mes commandes Uber Eats d'après les photos. Ça, c'est des troubles du comportement alimentaire. Ah ouais, c'est dingue. Terrible. Et vu que ben, je mange seulement un fast-food dans la journée, je me pète le bide. Et vous voyez, c'est des grosses commandes, les gars. Ah, le problème, j'ai battu un record là après les photos de. Tu me l'as dit au quick. Ouais, au quick. J'ai pris un menu donc avec un burger plus 4 burgers simples. Ma copine avait fini de manger, j'avais fini de manger, j'avais encore faim, j'ai repris un menu. C'est pas normal. Hein. Le gars, c'est non, ça c'est pas normal. Moi, je trouve que c'est pas normal. Ah ouais, non, c'est même pas moi, normal. Je suis un gros mangeur. En salé, tu me choques, je te jure, tu me choques. Je sais, mais après, moi, je suis pas du tout sucré, c'est-à-dire, je vais pas prendre de glace quoi. Mais le salé, les 10 000 calories, ça fait des années, je veux qu'on en fasse ça parce que je sais qu'en salé, c'est incroyable. En fait, vous voyez les gens qui disent, ouais, si tu fais du OMAD, sur un repas, tu peux pas manger trop, tu seras pas en surplus calorique. Lui, la vie de ma mère, tu peux. Lui, il est capable, lui. Pour moi, c'est pas optimal. Toi, tu peux manger 5 000 calories sur un repas. J'ai quelques astuces que moi j'ai mis en place, c'est déjà après ton shooting, après ton objectif, si tu sais que t'as plus rien, tu peux te permettre pendant 2-3 jours de te faire kiffer. C'est ça. Déjà, en fait, faut lâcher la pression à un moment. Le but, c'est d'être conscient de ce qui va se passer en fait. Et faut pas s'en vouloir parce que sinon, non seulement tu t'en veux donc tu kiffes pas, et en plus tu niques ton physique, ça veut dire qu'il n'y a aucun truc à en tirer, tu vois. Alors que si t'es conscient, tu te dis c'est pas grave, tu vas kiffer pendant 3 jours. Alors, moi je savais déjà afficher un top physique là, bah, 2 jours après, il n'y avait plus rien. Ah, même moi, hein. Et. Bah, j'ai mis 10 jours pour niquer mon physique carrément. Là, dans 2 semaines, j'aurai retrouvé mon bon physique, je pense, tu vois. Mais tu n'auras jamais la forme que tu avais le jour J, tu vois. Là, tu peux t'en rapprocher. Mais maintenant, j'ai 6 semaines devant moi pour faire mieux que ce que j'ai montré encore. Ça va être dur. Ouais, mais parce que t'étais vraiment ouais, bien. Ouais, je sais, mais je vais essayer au moins d'être à ce niveau-là quand même. J'assure, attends, ça allait, ça fait 3 ans qu'on l'attend. Voilà, moi, je dirais lâchez-vous pendant 2-3 jours. Hein. C'est ce que font les compétiteurs, c'est pas pour rien. Et ensuite, ne repartez pas sur une diète en mode pendant 3 jours, j'ai fait de la merde. Là, je repars sur ma diète de sèche à 1800 calories et tout. Tu calcules ton maintien. Si tu fais tel pour machin, ton maintien, il y a 2400. Tu mets tes 2400 de maintien et t'incorpores un ou deux aliments plaisir le temps que ça aille mieux. Dans ta diète, tu vas mettre un bonbon par-ci, un bout de chocolat, tant que tu es dans tes calories, c'est pas grave et tu seras pas frustré. Là, en ce moment, pour faire la transition, j'ai du beurre de cacahuète, tu vois. Alors que je suis censé sécher, parce qu'il me reste 5 semaines pour préparer mon physique de Body Time. Donc là, j'ai le beurre de cacahuète, mais d'ici 2 semaines, l'objectif, c'est de l'enlever et remplacer ça par un shaker QNT, moins 20% avec le Cloud Fitness. Moi, c'est du chocolat au lait. Je tape, t'as vu, ça fait 3, ça fait 4 carrés. Je les tape, tu vois, ça fait quoi, 150 calories de en chocolat vrai, ça va. Là, je sais que dans 2 semaines ou 3, je passe au chocolat noir. Voilà. Mais pour la transition, c'est bon, tu vois. C'est ça. J'y vais progressivement. En fait, faut pas passer du blanc au noir du jour au lendemain. Allez-y doucement. Nous, c'est juste là qu'on est un peu bloqué puisqu'on est entre deux chaises. Là, on a fini les photos pour nos programmes PDF, mais 8 semaines après, on savait qu'on voyait Body Time. Donc vous, normalement, vous ne faites pas de vidéo, vous ne faites peut-être pas de compétition. Donc normalement, ça devrait pas arriver ce truc-là. Vous devez pas pousser vos sèches aussi loin que les youtubeurs, que les athlètes. Mais si jamais ça arrive, parce que bah, vous faites pas de compète, mais vous avez cette lubie de pousser votre corps au maximum, on peut comprendre. Toi, tu le faisais. Hein. Voilà, faites-le, mais soyez conscient que derrière, ça peut créer des problèmes. Des problèmes de santé, clairement. Voilà. En sèche, Tarzan, il avait déjà essayé. Il était en sèche, il a pété un plomb à manger une Ben & Jerry, il est parti essayer de se faire vomir, tu vois. C'est chaud. Là, c'est que tu arrives à un point, c'est chaud, tu vois. Mais c'est des trucs qui lui arrivent à plein de monde, les gars. Et même au-delà de se faire vomir, tout ça, je pense que ça peut même créer du diabète, physique, tu vois. D'envoyer autant de sucre comme ça, ça peut aussi niquer vos récepteurs de leptine. C'est ce qui fait dire à votre corps, j'ai plus faim. Ouais. Si tu t'envoies 6000 calories sur un repas, le lendemain, tu vas lui
envoyer 2000, bah, il va se dire j'ai encore faim. C'est alors ça. Que normalement, non, tu vois. T'habitues ton corps à. Tu dérègles trop de trucs, voilà. Même ta résistance à l'insuline. Ton corps, il comprend plus rien, gros. Tu repars sur des trucs plus classiques. T'as développé une résistance à l'insuline, t'es fini, t'es foutu, gros, terminé. Et de toute façon, même gros, être au-dessus de 12% de matière grasse, avoir un petit peu de bas du ventre, c'est pas une fatalité. Il y a des gens, ils ont votre âge, ils ont 25 ans, ils ont du bas du ventre et en plus, ils sont pas musclés. Toi, t'es musclé, mais t'as un peu de bas du ventre. T'en pas des voilà. Couilles Les réseaux sociaux, c'est pas la vie réelle. C'est pas la vraie vie. Et faites pas un bordel quand même, c'est pas une raison pour abuser pendant un mois, là, les fêtes de Noël, c'est pas ce qu'on a dit, c'est pas ce qu'on a dit. Ouais, ouais, mais... Mais ouais, justement, là, il y a Noël qui arrive. Abusez pas, les frères. Il va avoir un repas, c'est un repas Noël, c'est pas 10 jours. Le jour de Noël, je nique toute la journée. Ouais, mais tu sais comment ça se passe. Je me souviens l'année dernière, on s'était dit... Et le lendemain, il reste, hein. Je nique tout le lendemain aussi. On avait dit, bon, on fait que Noël. Ah non, non. Le lendemain, on a tapé et ça a duré une petite semaine. Ah, moi, je tape tous les restes. Sinon, on n'est pas médecin, les gars. Si vous avez des trous du cul anal, n'hésitez pas à les consulter. Des troubles du comportement alimentaire, n'hésitez pas à consulter un médecin, ça peut vous aider si vraiment ça devient grave pour vous. On est là aussi sur Discord si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre. C'était Fitness Fusion. Force. On n'oublie pas de soutenir. -20% code Fitness Fusion. Bye fun, hein, du coup.